Chers amis, bonjour, vous êtes sur Métista Université et nous continuons donc ce portrait de femme insufflée. Nous verrons l'homme aussi insufflé un petit peu plus tard. Donc, toujours une feuille de papier, simple feuille, ce que j'appelle ma dafyomi. Ma daf, c'est-à-dire ma feuille quotidienne, yom, yomi. Et ma foi, de l'araméen, de l'araméen, de l'araméen. Pour aller à la source vraiment des mots. Ça, c'est absolument extraordinaire. Vous avez deux sortes d'araméens. Vous avez un araméen qui est un araméen donc rond. Celui-là, il fait partie d'une famille sémitique 1300 avant notre ère. Ça, c'est extraordinaire comme type d'alphabet. Et il est rond. Pour celui qui connaît un petit peu l'arabe, il va retrouver certaines de ses lettres. On en a, il y a énormément de similitudes, mais parce que tout simplement c'est la mer en passant par le nabatéen, araméen, nabatéen, arabe. Donc là vous avez un alphabet araméen qui est rond, d'une beauté extraordinaire. Vous avez un araméen donc qui est carré, je vous en montre une petite feuille, et là, se lit comme ça. Aleph, Bet, hein, vous les avez là comme ça, Gimel, Dalet, Evav, Zayin, etc. Donc 22 lettres, hein, donc pas de voyelles, ça donne des lettres de ce type. Voilà, c'est important, Aleph. Alors, ce qui est important, c'est à la fois la lettre, voilà la lettre Bet, voilà la lettre Gimel, voilà la lettre Dalet. Donc le D, voilà la lettre V. Regardez là, la qualité de la lettre lorsqu'elle est ouverte, qu'elle soit ronde ou carrée. Voilà la lettre donc Vav, celle qui relie. Voilà la lettre Zayin qui représente l'arme. Voilà la lettre Het. La lettre Tet, il y a deux T en araméen. Donc cette lettre Tet, voici la plus petite et la plus efficace de toutes. La lettre Yod, qui correspond en français au IJY. Voilà la lettre Kaf, qui veut dire tout simplement la paume de la main. Voilà la lettre Lamed, qui est le guide. Vous voyez, on le voit, hein, c'est un bâton. La lettre M, qui est la première carte de la Méditerranée. C'est extraordinaire, vous voyez, c'est ouvert. C'est-à-dire que c'est une eau qui circule, une eau en mouvement, bah, comme la matrice de la mer. Vous voyez, c'est fabuleux. La lettre Noun, un serpent d'eau. Donc la lettre Samer qui représente donc essentiellement notre colonne vertébrale, tout ce qui va être à l'intérieur de nous, dans cette partie osseuse, l'œil interne. Et vous regardez les yeux des uns des autres, marron, vert, gris, bleu. C'est bien, la nature fait ce qu'elle veut, ce qu'elle peut. Là on est dans le puits de lumière, c'est-à-dire au fond de l'œil, c'est le fond de l'œil, c'est fabuleux. Et ber veut dire le puits en arabe. Donc vous retrouvez le mot berbère. Berbère, c'est quoi? L'homme du puits. Et l'homme qui sait aller au fond du puits pour dire, il y a de l'eau, les amis, il y a de l'eau. Hein, celui qui fait en sorte que on ne crève pas, tout simplement, hein, dans le désert. Donc la lettre P, lettre P qui représente la bouche. Oui. Donc écrivez à la fin d'une journée ce qui sort de votre bouche, ce qui entre dans votre bouche. La lettre Tsadé, donc qui veut dire la côte. La lettre Kof qui représente le singe. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il faut 5 jours pour l'expliquer. Hein, c'est aussi simple que ça. Et pourquoi? Et la lettre Resh. La lettre Resh, il lui faut, oui, allez, 6 jours pour expliquer pourquoi elle est née. Oui. Et la lettre Chine? La lettre Chine, il lui faut entre 8 et 10 jours pour expliquer comment elle est née et à quoi elle sert. Quant à la lettre Tav aussi, oui, c'est. Voilà. C'est ce qu'on peut, hein, sur Métista, on fait déjà beaucoup et on donne tout. Alors, on peut aller plus loin avec vous. Oui, tout seul, comment vous voulez faire, hein. Même si on est une petite équipe de bénévoles, on a besoin d'une armée d'anges. Alors, une armée de femmes insufflées. Oui, hein. Ça devrait être un pléonasme. Ça l'est pas toujours. Elle a tout du mystère. Et la voix pour le dire et la voix pour le taire. Elle a la sainteté à contenir l'extase.
par la simple délicatesse qu'elle a de mettre une fleur dans un vase. Une fleur dans un vase. Naissance, ben elle a cette qualité quand même, de mettre au monde. Naissance se dit Leda. Lamed, Dalet et He. Où est-ce que vous allez trouver ça en science? Écoutez bien. Lamed, 30. Dalet, 4. Hé, 5. J'additionne. 30, 4, 5, 39. J'additionne. 3, 9. 3. 12. 1, 2, 3. 3. Ben voici qu'une femme, quand elle met au monde, on se retrouve à 3. Ben oui, elle a eu Zéra, la semence, qu'on appelle un jour le père. Il y a eu la femme et il y a eu l'enfant. Vous vous rendez compte? Une femme ne peut exister que s'il y a trois éléments vivants. Nectar. Ah oui, souvent elle en oublie un, voire deux même, hein, parfois sur le passage. Hein. Nectar. Mais là, on ne parle pas des femmes insufflées. Nectar. Touf. Tsouf. Non, pas touf, ni touf. Tsouf. Avec un tsadé. On l'a vu tout à l'heure. Tsouf. Donc, à la fois le tsadé et le F. The nectar, même après la mort, la femme vaillante allume jour et nuit des veilleuses, ces flammes invisibles qui ravivent des disparues les âmes. Vous avez déjà vu une femme tirer sa révérence? La beauté, la qualité? En araméen se dit kida. Kida veut dire la main ouverte. Tirer sa révérence, c'est aussi ouvrir sa main. La valeur numérique de kida, hein, c'est-à-dire le kof qui est 100, le dalet qui est 4 et le he qui est 5, c'est 109. 109, c'est 9 et 1, 10. Ça me ramène au yod. Yod, 10. Tirer sa référence, c'est la perfection même. Seule une femme peut le faire. Je vous l'ai dit dans d'autres émissions, la femme s'est appelée tout de suite Isha. Il aurait pu Dieu l'appeler Adama, puisqu'elle était épouse d'Adam. Mais non, il ne l'a pas tiré de la terre, il l'a tiré de l'esprit. C'est la différence entre l'homme et la femme. L'homme, il l'a insufflé après, en partant de la terre. La femme, il l'a directement insufflé par l'esprit. Ben oui, souvenez-vous. Mais bon sang, bonsoir, comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Souvenez-vous donc. Adam était endormi lorsque Ève est arrivée. Ève, elle n'est pas arrivée à 3 ans, ni 5 ans, ni 10 ans, 30 ans, peut-être 40, quelle importance à l'époque, le temps. C'est aujourd'hui que le temps compte et décompte. Elle est arrivée adulte, sans nombril. Elle l'a laissé à Adam. Lui-même n'en avait pas de nombril. Vous vous rendez compte? Et pourtant, il aurait pu en avoir un, puisque c'est lui qui l'a mise au monde. Ah. Kida. Kida. Intéressant, d'un côté vous entendez révérence, de l'autre côté on entend kida. Ben, on est dans un autre champ de culture, on est dans un autre champ de blé. T'sais, on est dans la racine du blé, on n'est pas simplement dans... Mais oui, c'est important le mouvement, mais la racine. C'est le puits, c'est la source. C'est la racine de l'arbre qui va puiser, ces grandes racines. Qui va, un arbre, chaque jour, pompe, dans le bon sens du terme, 25 litres d'eau. Ben, c'est pas un chameau, hein. 49,9. Ah oui, oui. Après, il faut un permis. 49 litres. 9. C'est très précis, le chameau. Ah oui, c'est une vraie gourde. Hein. Bah, après, il faut un permis pour boire. Ah oui, c'est... là, c'est boire absolument pour avancer. Hein? Une ride. Une ride. La femme, elle signe toujours avec son âme. Elle passe sa main sur son visage. Elle trace sa route. Son chemin, chaque jour, elle est partout active, elle fait tout pour lui par amour. Elle attache à un nuage les blés, il y aura toujours une rute dans le champ pour glaner. Et oui, c'est... Et tout ça est traduit de l'araméen par Lévi. Ride se dit comment? Kemet. Kemet. C'est intéressant parce que Met, c'est la mort, mais la ride... C'est la route. À bientôt.